En 2050, l'agriculture devra nourrir 9 milliards d'individus. Pour répondre à ce défi, il faut doubler la production agricole mondiale. Pourtant, les ressources s'épuisent. Comment l'agriculture peut-elle rester hautement productive sans menacer les écosystèmes? Comment trouver les alternatives aux énergies fossiles, aux produits chimiques? Comment lutter contre le réchauffement climatique? Restaurer la biodiversité? Préserver la qualité de l'eau, des sols et produire plus. Comment? En travaillant ensemble. Agriculteurs, professionnels du monde agricole, agronomes, écologistes, biologistes. Nous allons produire plus avec moins. Ensemble, nous allons replacer l'agriculteur au cœur de l'innovation. Nous allons inventer une nouvelle agriculture, l'agriculture écologiquement intensive. Déjà, des solutions existent pour économiser l'eau, préserver sa qualité, la diffuser avec précision en fonction des besoins de la plante. Déjà, nous savons que la productivité de cette nouvelle agriculture passera par la biodiversité des espaces agricoles et des sols. Pour assurer la santé des animaux, leur croissance naturelle, limiter les émissions de méthane, nous savons que leur alimentation utilisera des huiles essentielles ou des extraits végétaux. Demain, pour protéger les végétaux, la biologie et l'écologie offriront des solutions nouvelles pour diminuer fortement le recours aux produits chimiques et augmenter la précision de leur utilisation. Outils et machines agricoles seront encore plus qu'aujourd'hui guidés par satellite, permettant ainsi une intervention précise, plus efficace et une meilleure maîtrise de leur impact sur les sols. Demain, la biomasse, produit de la photosynthèse, permettra la production d'énergie et la fertilisation des sols. Elle sera à la base des matériaux du futur. Les bâtiments d'élevage produiront leur propre énergie. Leur conception réduira les nuisances et favorisera la santé et la croissance des animaux. Les Terrénales, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent agir. Un rendez-vous résolument tourné vers l'avenir et la recherche de solutions. Ensemble, sans a priori, tentons l'aventure. Découvrons de nouvelles solutions et inventons l'agriculture de demain. L'agriculture écologiquement intensive.